suite. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de clôture de l'IGF 2013, la 8e réunion annuelle. Je souhaiterais présenter Monsieur Sassanco, qui est président de la réunion, étant donné que le ministre n'a pas pu être parmi nous. Merci. Je m'appelle Ashwin Ghosh. Bonjour. J'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie de clôture de la 8e réunion IGF 2013. Nous allons donc avoir des remarques de clôture et nous allons écouter 10 orateurs. Donc, premier orateur, nous avons Madame Elia Armstrong du département des affaires sociales et économiques des Nations Unies, UNDSA, qui va s'exprimer au nom de Monsieur Wu Hongbo. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les participants, j'ai le plaisir de formuler quelques remarques de clôture au nom de l'UNDSA. Tout d'abord, j'aimerais remercier Son Excellence Monsieur Tiefenthal Sammering, ministre des Technologies de l'Information et de la Communication de la République d'Indonésie, qui est représenté ici par Monsieur Asongo, d'avoir présidé cette réunion et des efforts qui ont été déployés par son ministère. Je remercie également le comité d'organisation multipartite de l'Indonésie et des efforts qui ont été déployés dans ce sens. Je souhaite remercier Jepandi et Ivos pour tous leurs efforts, ainsi que toutes les organisations locales et internationales qui ont contribué en termes financiers et en nature et qui ont permis d'organiser cette réunion. Je remercie également les collègues des Nations Unies du département des informations publiques pour leurs activités, nos amis des bureaux de Genève, de Bangkok et de Jakarta de nous avoir fourni des services de conférence excellents de sécurité d'interprétation et bien évidemment le secrétaire du IGF qui a au cours des les différentes années a permis de faire de ces réunions IGF des succès. Je souhaite également remercier l'équipe de transcription en temps réel pour leur travail remarquable et nous ne devrions pas oublier non plus les organisateurs de tous les ateliers et les autres sessions qui ont été centrales pour la réussite de l'IGF. Pour finir, je remercie du fond du cœur tous les participants car vous faites partie de la communauté d'Internet et je vous remercie de votre participation. Il était très agréable de vous voir en action. Mesdames et messieurs les participants, nous avons eu 1500 participants venant de 111 pays ici à Bali, à Bakou. La société civile était le groupe de parties prenantes le plus représenté et nous avons eu une participation deux fois supérieure. Nous avons eu plusieurs centaines d'ateliers, donc 135 ateliers, et nous avons eu des forums ouverts et des réunions pour parler des thèmes liés à la gouvernance d'Internet. Cette année, l'IGF intervient à un moment tout à fait opportun. Les nouvelles menaces posées à la cybersécurité et la révélation de surveillance de masse sont simplement deux des questions émergentes que la communauté partie prenante doit relever. Vos délibérations vont donc aller de l'avant dans d'autres processus en 2014 et au-delà. Comme nous l'avons entendu, 2013 et 2014 sont les années de préparation pour la définition d'une vision post-2015 pour le développement durable. Il s'agit également d'années de préparation pour l'examen du SMSI. Le mois dernier, la 68e réunion de l'Assemblée générale a souligné
le fait annoncer plutôt le forum politique de haut niveau qui remplace la Commission de développement durable et qui servira de véhicule pour mettre en œuvre le processus, plutôt la conférence de Rio plus 20. L'Assemblée générale et le deuxième comité lancent des activités au niveau d'Internet à New York. Il s'agit de déployer le large bande, le renforcement des capacités pour une plus grande utilisation et des applications élargies, ainsi que l'amélioration de la qualité et de la quantité des infrastructures de télécommunications. Ils ont appelé à un Internet ouvert et accessible où les utilisateurs et innovateurs de l'avenir pouvaient donc intervenir. Ces discussions ont souligné le besoin pour l'éthique de permettre le développement durable. Nous, à DESA, nous avons également identifié la gouvernance inclusive comme un facteur propice au développement durable. Il semble que la gouvernance Internet cible ces deux facteurs. L'IGF permet d'avoir une vision collective pour le déploiement d'Internet, régie via une approche du bas vers le haut, multipartite, transparent et clair, et qui permet aux gens de s'épanouir dans leur vie. Le 8e IGF, selon moi, a permis de construire des ponts. Et nous sommes heureux d'organiser le 9e IGF en 2014 pour continuer les débats concernant les facteurs qui permettent le développement durable d'Internet et la gouvernance inclusive. Nous allons donc aborder maintenant le nouveau cycle de l'IGF. Travaillons main dans la main pour faire en sorte que l'IGF continue à prospérer. Renforçons nos partenariats existants, construisons-en de nouveaux, et je vous souhaite un agréable voyage et un agréable retour dans vos foyers, et je vous remercie de votre attention. Merci. Thank you, Ms. Amst. Merci pour ces remarques. Prochain orateur, Marcus Kummer, président par intérim du groupe MAG, vous avez la parole, Monsieur Kummer. Mr. Chairman. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, j'ai l'honneur et le privilège de présider le processus de préparation de cette réunion. Je suis ravi des résultats. Dans la tradition de l'IGF, c'était donc la meilleure tradition, la meilleure réunion que nous ayons connue. Je souhaite remercier mes collègues du groupe consultatif multipartite qui ont eu la charge de préparer le programme et je vous remercie tous parce que vous avez tous contribué à la réussite de cet événement. Lors de la préparation de l'IGF, nous avons pris note des recommandations du groupe de travail CSTD au sérieux et en particulier nous avons suivi certaines de leurs recommandations qui ont façonné les sessions de façon à retirer des enseignements et à pouvoir bénéficier des résultats. Les documents vont reprendre les différentes opinions qui se sont fait jour. Nous avons pu atteindre toute une série de parties prenantes et nous avons pu formuler donc des questions de politique dans chaque session. Nous avons amélioré l'intégration des initiatives régionales et locales IGF et nous avons également renforcé un plan exhaustif pour les différentes sessions afin de faciliter l'intégration des nouveaux venus. Cette année, nous avons également eu des innovations dans notre programme. Un grand nombre de thèmes reprennent donc des questions urgentes, la gouvernance de l'Internet, les principes de droits de l'homme, les cybercriminalités, les pourriels. Et ceci contribue donc au développement durable de l'Internet dans le cadre du programme de développement post-2015. Comme par le passé, l'IGF a représenté une plateforme unique où des thèmes difficiles pouvaient être relevés et abordés de façon constructive. Ceci a été particulièrement évident dans les discussions concernant la surveillance. Et une conclusion importante s'est fait jour. Nous avons besoin de discussions multipartites pour savoir comment
trouver des participants et pour savoir comment nous pouvons orienter les politiques dans ce domaine et renforcer la confiance entre toutes les parties prenantes. En d'autres termes, l'IGF a à nouveau prouvé qu'il servait à quelque chose. Nous avons plusieurs ateliers où des membres de la communauté ont pu échanger leurs opinions et leurs idées. Et ceci donc faisait partie d'une des recommandations pour l'amélioration de l'IGF. Nous avons pu bénéficier d'un large soutien et nous devons préserver cette énergie et la traduire en une situation stable, notamment au niveau du secrétariat. Permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler toutes les parties prenantes à contribuer à cette cause. Bien évidemment, nous avons encore du travail à faire, nous pouvons toujours nous améliorer. Nous allons donc redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. Lorsque la réunion sera terminée, eh bien, les préparatifs pour la réunion suivante commenceront déjà. Nous devons commencer la planification de la réunion de 2014 dès demain. Nous allons commencer par un processus d'examen qui demande aux parties prenantes de nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui peut être amélioré pour la réunion de l'année prochaine. Le secrétaire de l'IGF a également lancé un appel à nomination pour le MAG, donc en prévision de la réunion préparatoire de février prochain. Permettez-moi de conclure en disant que le secrétariat de l'IGF a accompli un travail remarquable sous la houlette de Mme Changetai. My thanks also. Je remercie également l'UNDSA, qui est représentée ici par Mme Elia Armstrong, d'avoir fourni un appui au niveau institutionnel. Et pour terminer, je remercie sincèrement le gouvernement hôte, la République d'Indonésie, pour la générosité et pour sa générosité et son hospitalité. Merci de m'avoir donné la parole. Thank you, Mr. Merci, Monsieur Comer, de ces remarques. Merci également de vos applaudissements. Le prochain orateur, nous avons Semi Tangrata, qui vient de l'association indonésienne, ou plutôt l'association des fournisseurs indonésiennes. Qui fait également partie du comité organisateur de l'IGF 2013. Monsieur Pangerapan. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est vraiment, ça m'impressionne beaucoup de m'exprimer devant tant de gens en public. Donc, pardonnez-moi si j'ai quelques petits problèmes. Donc, mesdames et messieurs les participants, je m'exprime au nom de Abji, l'association indonésienne des fournisseurs de services qui a été créée en 1996. Nous avons maintenant 283 fournisseurs parmi nous. En 1997, nous avons été nominés comme étant un registre national Internet par APNIC et nous nous occupons de plus de 600 institutions en Indonésie. L'association opère également l'échange d'Internet en Indonésie dans 9 endroits au niveau national. L'ALTI a participé pour la première fois à l'IGF en 2010 et en novembre 2012, nous avons signé la déclaration IDGF entre la société civile et le secteur privé et depuis lors, nous nous sommes engagés envers un processus multipartite pour la gouvernance d'Internet en Indonésie. Nos préparatifs pour l'IGF de 2013 n'ont pas été aisés, mais nous avons essayé d'utiliser un dialogue ouvert et de garder notre esprit ouvert, ce qui donc pourra nous permettre de réaliser et d'accomplir des progrès à l'avenir. Nous avons donc collaboré sur un modèle multipartite avec diverses institutions. Nous
nous avons également déployé l'IPv6 pour cette réunion, ce qui nous a permis d'utiliser ou de fournir un service pour 20% du trafic total. Au nom du comité indonésien de l'IGF, je souhaite remercier UNDESA, le secrétariat de l'IGF et tous les membres du MAG pour leur confiance et leur appui en ce qui concerne l'organisation de cette 8e IGF en Indonésie. Je souhaite également remercier les bailleurs de fonds, les sponsors internationaux et nationaux, le ministère des technologies, de l'information et de la communication de l'Indonésie, ainsi que le ministère des Affaires étrangères de l'Indonésie pour leur soutien. Et pour finir, j'aimerais également remercier tout particulièrement tous les membres du comité et les bénévoles. Nous vous remercions de votre dévouement et de votre travail. Sans vous, nous n'aurions pas pu réussir cet événement. Je demande donc à tous ces bénévoles et à tous ces membres de comité de se lever. Donc, levez-vous également pour les applaudir et les remercier. Merci. Pour conclure, j'aimerais remercier tous les participants pour toutes les contributions. Vos idées et vos arguments permettront de façonner la gouvernance Internet au niveau mondial et dans un avenir proche. Et pour finir, nous excusons de toutes les gênes occasionnées au cours de cet événement. Je vous souhaite un agréable retour dans vos foyers et j'espère que vous êtes bien amusés à Bali. Merci. Thank you, Mr. Pangrapan, for your remarks. Merci, monsieur, pour ces remarques et pour le soutien de tous les bénévoles. Notre prochain orateur est Madame Anne-Rachel Iné de l'Afrinique. Thank you, Mr. Chair. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir que d'être ici parmi vous. C'est un plaisir de faire partie de ce 8e IGF ici à Bali. Et au nom de mes collègues, j'aimerais remercier nos hôtes tout d'abord pour la magnifique bienvenue qui nous a été réservée. Donc à Montevideo, nous étions à Montevideo plutôt ce mois-ci, avec les dirigeants des organisations responsables pour la gestion et la coordination des infrastructures techniques d'Internet, se sont rassemblés pour discuter, entre autres choses, de l'avenir de la gouvernance d'Internet. Et nous avons identifié le besoin d'efforts continus pour relever les défis continus. À cette fin, nous avons convenu de puiser dans les efforts communautaires afin d'atteindre l'évolution et de permettre l'évolution de la coopération mondiale multipartite pour Internet. Quel est le meilleur endroit que l'IGF pour commencer ses efforts? Cette réunion ici à Bali nous a permis d'atteindre les parties prenantes et de savoir comment nous pouvions aller de l'avant. À nouveau, si besoin se faisait, s'il était besoin de le mentionner, l'IGF s'est révélé être utile en tant que plateforme pour un dialogue multipartie prenante. Selon nous, il n'y a pas de meilleur moyen d'aborder ces questions délicates et importantes. On ne peut pas agir de façon isolée. Les décideurs politiques ont besoin des contributions de la communauté technique. Le cadre juridique et réglementaire a besoin d'évoluer sur la base d'une solide compréhension des technologies sous-jacentes. Les décideurs politiques doivent également comprendre ce qui est économiquement viable et ils doivent... Et donc les décideurs politiques ainsi que les spécialistes des technologies doivent également comprendre ce qui est acceptable du point de vue social. La communauté des affaires et la société civile ont besoin de certitudes pour que leurs objectifs puissent être satisfaits et que leurs préoccupations soient abordées. Pour faire en sorte que nous ayons un chemin ou un avenir sûr et qui permette d'accomplir des progrès.
Et c'est la raison pour laquelle un dialogue entre toutes les parties prenantes est absolument essentiel pour l'écosystème d'Internet. En tant que signataire de la déclaration de Montevideo, nous avons suivi avec un grand intérêt les discussions après la publication, y compris les discussions de cette semaine au sein de l'IGF. Nous nous réjouissons de l'accueil généralement positif concernant cette déclaration et de l'opportunité d'avoir des discussions inclusives et ouvertes. Nous avons l'intention de poursuivre cette discussion au-delà de cette réunion de façon totalement ouverte dans le but d'améliorer les mécanismes pour la coopération multipartite sur Internet. Nous encourageons une participation aussi large que possible pour toutes les parties, les gouvernements, société civile, monde des affaires et communautés techniques, et ce sur un pied d'égalité qui correspond à l'esprit de l'IGF. Nous espérons que toutes les parties intéressées seront impliquées. Il reste encore beaucoup de travail à faire dans le domaine de la planification et des préparatifs de la réunion qui aura lieu en mai 2014 au Brésil. Cette proposition n'a pas été abordée lors du sommet de Montevideo, mais nous nous réjouissons de cette opportunité qui nous permettra de savoir comment relever dans les meilleures conditions les défis qui se posent à la gouvernance d'Internet. Nous allons essayer de continuer cette ouverture d'esprit qui a été la caractéristique de cette réunion de l'IGF. Et ceci est absolument essentiel pour les travaux de préparation de cette réunion du Brésil. Nos efforts pour puiser dans les efforts communautaires sont complémentaires et permettent de se baser sur l'IGF. Nous devons, donc la semaine que nous venons d'avoir ici à Bali, nous a convaincu que nous devions renforcer les capacités de l'IGF pour préparer, organiser et effectuer le suivi des réunions annuelles. Le secrétariat ne dispose pas de suffisamment de personnel et n'est pas suffisamment financé. Nous sommes engagés à faire en sorte que le secrétaire de l'IGF ait des bases financières saines et durables. Et c'est pour cela que nous appelons à une augmentation des engagements de la part du monde des affaires et de la société civile. Nous appelons également les Nations Unies à nous aider dans nos efforts de renforcement du secrétariat. Les États-Unis peuvent nous aider à atteindre des bailleurs de fonds potentiels. De plus, le poste de conseiller spécial auprès du secrétaire général n'est pas occupé depuis maintenant près de 3 ans. Il est urgent que nous trouvions quelqu'un qui puisse assumer cette responsabilité. Nous demandons donc au personnel des Nations Unies présent ici de transmettre ce message au secrétaire général. Alors, nous avons une réunion absolument excellente. Et, bon, nous avons une petite remarque technique à formuler. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais nous avions des services IPv6 sur le réseau de l'IGF. Et donc, nous avions un trafic qui est en moyenne de 30 mégaoctets par seconde donc pour l'IPv6. Et ceci représente plus de 20% de tout le trafic de l'IGF. Et nous sommes ravis d'avoir pu nous servir de ces services. Permettez-moi de conclure en remerciant nos hôtes pour leur hospitalité et leur efficacité. Je vois beaucoup de visages souriants et ceci a contribué à la réussite de cet événement. Permettez-moi également de remercier les Nations Unies et le secrétaire de l'IGF pour leurs efforts. Chiang Yetai et son équipe méritent d'être remerciés car ils ont pu organiser une réunion absolument fantastique. Merci de votre attention. Thank you, Messina, for your remarks. Merci pour ces observations, Messina. C'est Sita Lakshmi de Zifos qui va à présent prendre la parole, qui est membre de IVOS, l'Institut humaniste de coopération de l'Indonésie, également membre du comité organisateur de l'IGF 2013. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers invités, participants, mesdames et messieurs,
Cette manifestation a commencé à être organisée en novembre 2012 lorsque nous avons créé le groupe préparatoire indonésien pour le Forum sur la gouvernance Internet, IDGF. La création du Forum était basée sur une reconnaissance que la gestion de l'IGF n'était pas la seule question, mais également les différents thèmes de l'économie des droits humains, des droits de la sécurité, de l'éducation et du développement, ce qui requiert en fait la participation de nombreux acteurs et protagonistes. Sur la base de ces valeurs, le comité organisateur a pensé que les principes de ces différents acteurs devaient se refléter dans nos travaux depuis le début, et nous avons mis en œuvre ce principe dans nos préparatifs pour cet IGF en assurant une représentation des différents protagonistes à tous les niveaux, les organismes gouvernementaux, sociétés, organisations, OSC et milieu universitaire et technique, en nommant des représentants dans le comité de pilotage. Nous avons également tenu compte de ces mêmes principes pour obtenir des fonds pour l'organisation de cette manifestation. Néanmoins, ce fut un cheminement chargé de défis. Néanmoins, nous pensons qu'au niveau de la communauté, nous sommes sur la voie de développer un cadre de gouvernance multi-parties prenantes en Indonésie. Et la société civile indonésienne a joué un rôle prédominant. Elle est sur un pied d'égalité avec les autres parties prenantes. Et c'est-à-dire que la transparence et la responsabilité prévalent dans toutes nos activités. Nous avons décidé que les comptes financiers de la préparation de l'IGF 2013 seraient publiés. Nous pensons qu'il s'agit là d'un jalon tant pour l'Indonésie que pour l'IGF mondialement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux préparatifs de cet IGF, et en particulier les efforts énergiques, la passion et les nuits blanches passées par bon nombre d'entre nous au cours de ce processus préparatoire. Nous aimerions également remercier nos organisations de soutien, les sponsors et pour tous les participants. J'espère que vous avez tous eu des discussions mémorables et un séjour plaisant dans notre pays. Merci à tous. Merci à Madame Lakshmi. Qui a joué un rôle significatif dans la création de l'IDIGF en Indonésie pour soutenir cet événement. Notre prochain orateur est M. Beri Abbatia, président communication et du comité de l'économie digitale, Fédération des chambres indiennes de commerce et d'industrie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Excellences, chers participants, Mesdames et Messieurs, en premier lieu, au nom du monde de l'entreprise, je tiens à remercier Bali, terima kasih à Bali. As the 8th IGF. Au moment de clore ce 8e IGF, je tiens à vous remercier au nom de la communauté et au nom de la Chambre de commerce internationale, la base de l'initiative de soutien pour soutenir la société de la formation à ceux qui ne sont peut-être pas conscients de cela. Et nous aimerions en notre nom remercier nos hôtes, le gouvernement d'Indonésie, pour l'hospitalité chaleureuse et pour l'opportunité qui nous a été donnée de nous réunir dans cette merveilleuse île de Bali pour ce 8e IGF. Cette manifestation nous a permis de discuter de questions pressantes sur la possibilité de créer un Internet plus sûr et plus cohérent pour tout le monde, pour garantir une amélioration des valeurs de manière à avoir une force sociale et économique sans parallèle. Au cours de ces quelques jours, nous avons fait échange des meilleures pratiques, débattu d'une série de thèmes clés qui vont continuer à poser des questions en matière de politique à mettre en œuvre au fur et à mesure du développement de l'Internet, depuis le déploiement d'infrastructures jusqu'au logiciel, les nouveaux modèles, les nouveaux systèmes de déploiement machine à machine, la
surveillance gouvernementale, le transfert de données, la manière dont celles-ci sont transmises au niveau commercial, ainsi que les droits humains, la liberté d'expression, la sécurité et protection des données personnelles. Et tous ces thèmes ont leur place dans l'IGF. Ou quel autre lieu nous permettrait de débattre de tout ceci de manière aussi ouverte? Au fur et à mesure des progrès de ce débat, le modèle de gouvernance multipartie prenante reconnaît aujourd'hui que plus que jamais, le moment est venu de revigorer le concept et la pratique d'une gouvernance multipartie prenante consultative au moment où nous voyons un regain d'énergie au niveau des gouvernements et des autres groupes de parties prenantes. Nous devons promouvoir une plus grande coopération entre les organisations du spectre, le secteur privé, le secteur public, la communauté technique et le secteur privé ainsi que le secteur scientifique. Et le monde des affaires se joint aux autres parties prenantes pour soutenir l'approche multipartie prenante plutôt que la création de nouvelles entités et développer une approche unifiée pour le développement et la mise en œuvre de politiques pour l'Internet. Dans le contexte de toutes les conversations valables que nous avons eues ici, nous avons pu apprendre que toute une série de nouvelles initiatives avaient été créées pour avancer et faire évoluer les initiatives en matière d'Internet de Montevideo au Brésil le monde des affaires souligne le fait que toutes les initiatives doivent être structurées de manière à faire participer toutes les parties prenantes sur un pied d'égalité et garantir la transparence et la responsabilité à l'égard de toutes les parties prenantes. Ce voyage doit être un cheminement auquel tout le monde est invité à participer et l'IGF demeure le site de la plus grande inclusivité dans nos débats et c'est un exemple de participation multiparties prenantes et de plateformes permettant d'informer les preneurs de décisions politiques de par le monde sur ce qu'ils doivent faire. Rien ne devrait être fait pour réduire la capacité et pour faire obstacle aux valeurs de l'IGF. Et c'est pourquoi nous continuons au niveau du monde des affaires de défendre l'IGF et nous attendons les initiatives. Nous croyons que les modèles de participation inclusive se situent au cœur des résultats positifs que nous pourrons obtenir à l'avenir. Beaucoup de modifications systémiques sont intervenues au cours de l'année. On comprend plus aujourd'hui que jamais le rôle clé que peut jouer la politique gouvernementale dans l'Internet mondial et la manière dont il peut croître ou se fragmenter. De ce fait, la gouvernance de l'Internet est étudiée de plus en plus près que jamais auparavant. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer qu'elle continuera à servir l'intérêt public et à croître de manière telle qu'elle encouragera la disponibilité et l'adoption. Nous devons faire attention à éviter la fragmentation de l'Internet par le biais de politiques nationales qui mettront en danger ces acquis. Et nous sommes d'accord que les gouvernements ont un rôle important à jouer au niveau international dans les discussions en matière de politique d'Internet et reconnaît également que pour garantir des résultats durables, il faut qu'un débat respectueux et bien compris et informé des intérêts de toutes les parties prenantes basé sur une discussion approfondie sont requis. Pour arriver à ma conclusion à présent, je dirais que nous avons effectivement parcouru beaucoup de chemin au cours de ces 4 jours et au cours des 8 dernières années également. C'est pour cette raison que nous appelons à la continuité de l'IGF au-delà de 2015. Nous sommes opposés à un système multilatéral ou intergouvernemental en matière d'Internet. Il est clair pour moi et pour l'ensemble du monde des affaires qu'un processus représentatif et inclusif pour la prise de décision au niveau de l'Internet est un élément fondamental de soutien au rôle dynamique de l'Internet. Pour que ceci se produise, nous devons renforcer les mécanismes financiers et politiques qui soutiennent l'IGF et sa direction, comme cela a été mentionné par les intervenants qui se sont exprimés avant moi. Il faut continuer à promouvoir un Internet libre et ouvert et un Web libre et ouvert qui permettent au monde des affaires de s'épanouir et aux individus et également l'économie, les jeunes et aussi les désavantagés de par le monde. Je vous remercie. Thank you, Mr. Je vous remercie, M. Bhatia. J'aimerais à présent inviter notre prochain orateur, Mme Kesha Taylor de TaxSoup Global. Madame Taylor, vous avez la parole.
Bon après-midi à tous. Je remercie Bali Indonésie qui a accueilli l'IGF 2013. On a vu la créativité, le caractère hospitalier et souriant de la population, ce qui me rappelle toujours que les bénéficiaires ultimes de l'Internet sont ses usagers. J'ai eu l'honneur de me voir donner la parole au nom de la société civile aujourd'hui, qui est une des parties prenantes de l'IGF, très diverse, mais essentielle pour garantir que la croissance de l'Internet fera partie du développement durable pour nous tous. Le thème de cette année se concentrait sur la nécessité de construire des ponts et aujourd'hui, ce n'est que par la coopération et les approches multiparties prenantes que ceci pourra être obtenu et je tiens à remercier le MAG qui a soutenu la rotation des réunions pour encourager la participation des différents groupes de parties prenantes. Nous savons très bien que parfois ce n'est pas seulement un problème de distance, le manque de ressources, le manque de soutien empêche la participation, mais aussi la conscience plus limitée, les problèmes linguistiques et les problèmes liés au voyage international ou aux déplacements internationaux aujourd'hui. Alors cette année, nous avons vu un engagement beaucoup plus important dans l'IGF des jeunes et réfléchissant aux réussites passées de l'IGF et les possibilités de développement à venir dans un cadre multipartie prenante en outre, les possibilités de développer des données, de faciliter le développement économique, mais aussi les défis auxquels nous sommes confrontés. Tout ceci est important et l'on pense que d'ici à 2020, l'univers numérique arrivera à 40 trillions d'octets, de gigaoctets de données, 40 états octets. Et donc, nous avons au niveau de chaque personne sur la Terre la possibilité de participer. Cet IGF, que la majorité de participants de la société civile, nous avons pu observer que les sessions ont évolué et sont passées d'une série d'exposés à des discussions plus participatives où la collectivité a été garantie pour faire participer et informer. Nous devons innover et utiliser les technologies qui évolue sans cesse pour nous assurer que, quelle que soit la distance, nous ayons tous notre mot à dire. L'accès à l'Internet a dans le passé été un élément clé de la discussion dans l'IGF et aujourd'hui, bon nombre de personnes ont le sentiment que ceci va aller croissant, particulièrement en raison de la prolifération de la téléphonie mobile et autres initiatives pour promouvoir l'accès à l'Internet. Cependant, venant d'une petite île, moi-même, Trinidad et Tobago, les limitations et les défis de l'accès à l'Internet restent tout à fait en place et il faut garantir le passage et l'accès aux économies moins développées, aux zones rurales qui doivent continuer à être discutées de manière à ce que les procès puissent atteindre également. Alors, je me suis concentré sur les avantages de l'utilisation des données pour le développement, mais d'une manière qui comporte aussi les préoccupations croissantes que nous voyons naître, y compris la protection de la vie privée et l'inclusion et l'éthique d'une telle utilisation pendant de nombreuses années. Nous avons vu ceci se développer dans cette IGF cette année. Beaucoup d'ateliers, même ceux qui n'étaient pas directement liés à cette question, les ont abordés. C'est un défi. Mais quand on voit le développement de la technologie qui continue à se développer avec l'utilisation des données, nous devons de manière urgente aborder cette question. Ce sont des questions qui peuvent être atténuées par la coopération de toutes les parties prenantes, par l'inclusion de la société civile et tirer enseignement des positions des uns et des autres. Le monde des données ouvertes et accessibles croît en partie en raison de l'idée selon laquelle en donnant accès à vos données, quelqu'un quelque part va faire quelque chose d'utile avec ces données, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé vous-même. Et c'est dans cet esprit que je demande à ce que nous continuions à ouvrir notre discussion ainsi que la gouvernance de l'Internet aux autres et soutenir la collaboration pour s'assurer que des solutions adéquates soient trouvées pour les problèmes existants et encore imprévus qui apparaîtront au cours de la croissance de l'Internet et pour le développement durable. J'espère que les discussions de cette semaine et le caractère amical et les innovations de la population de Bali resteront dans vos mémoires pendant longtemps. Je tiens, au nom de la société civile, à remercier Bali. Tarima Kasi.
Merci, Mme Taylor, pour ces commentaires. Il semble que tout le monde a commencé à apprendre l'indonésien. Donc, tout le monde sait au moins ce que signifie Terima kasih. Et puis, le batik aujourd'hui, parce que c'est vendredi, et en Indonésie, le vendredi est la journée du batik. Et donc, tous les employés publics portent le batik pour aller au bureau le vendredi. Nous avons l'ambassadeur Benedicto Fonseca Filho, responsable du département des affaires scientifiques et étrangères du Brésil. Ambassadeur Fonseca, vous avez la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Brésil ici, quelque part? Non? Okay. We have Everton. Ah, nous avons Everton. Yes. Thank you very much, Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'ambassadeur Benedicto devait malheureusement regagner la capitale pour des raisons urgentes. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être parmi nous en cette session finale. Et au nom du gouvernement brésilien, j'ai donc le plaisir de vous féliciter pour l'excellente réunion à laquelle nous avons pu participer et l'occasion que nous avons eue de nous réunir ici pour pouvoir débattre de manière franche et ouverte de toutes les questions qui nous préoccupent principalement en ce qui concerne l'avenir de la gouvernance de l'Internet. Le gouvernement brésilien est totalement engagé dans le sens de l'IGF. Vous avez pu le voir à travers le haut niveau de représentation que nous avons eu à cette réunion, notre ministre des Communications, le ministre Paul Bernardo, qui s'est adressé à vous lors de la séance d'ouverture et également la présence d'une délégation multipartie prenante importante venant de notre pays, y compris des membres de la société civile, du monde des affaires, du monde scientifique et du gouvernement. C'est un grand honneur pour nous d'avoir eu la possibilité de venir ici avec une proposition ouverte et une invitation ouverte que je renouvelle pour vous tous, qui est de nous rejoindre dans la planification, l'organisation et la participation de la réunion que nous entendons tenir au Brésil l'année prochaine. Et c'est sur ces dernières paroles que je vous invite à nouveau à nous rejoindre au Brésil. Je vous remercie pour l'excellent niveau d'interaction dont nous avons pu bénéficier au cours de cette réunion très productive. Je remercie le secrétariat, les organisateurs et tous ceux et celles qui ont participé et qui se sont dévoués pour qu'un tel événement soit une réussite. Merci à tous. Thank you. Merci. Notre prochain orateur est M. Neckar Meyer de la ville de Mexico. Vous avez la parole. La délégation du Mexique vous remercie tous pour la bonne tenue de ce forum et notamment l'intervention au niveau des différents secteurs qui composent l'Internet. Nous pensons que ceci jette les bases d'une amélioration de l'Internet avec l'accent qui est mis sur le caractère inclusif et transparent et responsable. Ceci permettra à l'humanité de progresser. Il s'agit d'un engagement ici à développer des politiques publiques qui permettront d'assurer le développement du monde digital, garantir l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour tous par le biais des politiques publiques qui seront développées. Notre ministre a signalé que l'ère digitale est confrontée en fait à un problème fondamental qui est l'illettrisme du 21e siècle en matière digitale. Et le programme de développement du Mexique, en tant que les mécanismes de communication devront être développés de manière à
s'accorder sur les cinq grandes mesures qui doivent être acquises au niveau du Mexique, la co-responsabilité globale, le développement en ligne. Sur la base de ce scénario, le gouvernement du Mexique reconnaît l'importance de l'utilisation des TIC pour promouvoir ce développement. Un premier pas dans ce développement, en juin 2013, a été la publication d'une réforme constitutionnelle historique en matière de télécommunications pour notre pays, orientée vers la création d'une meilleure capacité économique dans ce secteur et la jonction des différents systèmes de télécommunications. Garantir la couverture universelle des services de télévision, radiotéléphonie et accès à l'Internet. Et nous essayons de garantir au niveau socio-économique des moyens d'accès aux services qui seraient ouverts à tous avec des contenus qui seraient gérés de manière telle qu'ils puissent atteindre les objectifs le plus rapidement possible. C'est pourquoi la réforme des télécommunications a garanti le droit au libre accès à l'Internet, ainsi que la garantie par l'État de garantir le droit d'accès aux technologies de l'information et de communication, et ce, y compris large bande. Dans ce cadre, le gouvernement mexicain s'est lancé dans une politique digitale avec des objectifs spécifiques et différentes actions, y compris l'utilisation de l'information et des communications dans le sens de l'amélioration du développement. Au niveau national, nous sommes convaincus que le développement de l'ère de l'information est une opportunité historique pour assurer le développement de nos pays, et nous pensons au niveau du Mexique que ceci va renforcer l'infrastructure. Il va falloir renforcer l'infrastructure existante pour assurer le développement des services Internet qui doivent être accessibles à l'ensemble de l'humanité, et que la digitalisation de l'information et des données doivent être accessibles à tous. Et il faut que ceci ait un impact social et économique pour l'ensemble de l'humanité et permette d'améliorer les conditions de vie de l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi le Forum de la gouvernance de l'Internet est tellement important, parce qu'il joue un rôle extrêmement constructif au niveau du gouvernement du Mexique. Nous sommes très favorables à la manière dont, dans tous les différents secteurs, on a vu la volonté de s'engager au niveau des différentes parties prenantes à ces travaux. Et en 2017, nous vous invitons au Mexique, où le président du Mexique s'est engagé fermement pour qu'au cours de ce gouvernement, il y ait une participation active aux questions de gouvernance de l'Internet, et que ceci nous permettra de dégager les objectifs stratégiques dont nous avons besoin. Je vous remercie tous et nous espérons vous voir à Mexico en 2016. Thank you, Mr. Mayor. Next, I would like to invite. Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais maintenant inviter le représentant du PIO de l'année prochaine, M. Yeruna Karem, du ministère des Affaires étrangères de Turquie, et M. Eksan Turdu, conseiller auprès du ministère des Transports et Communications de la Turquie au nom de la délégation turque, et ils vont s'adresser à nous. Donc, M. Akarar et M. Durdu, veuillez gagner le podium et vous exprimer. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished ladies and gentlemen. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, j'aimerais que nous présenter d'abord. Je m'appelle Tafana Gérald, je suis président de l'autorité d'éthique de la Turquie. Notre autorité s'occupe de toutes les questions réglementaires concernant l'éthique ainsi que les politiques de développement interne en Turquie. Je vais également présenter M. Hüsnü Dourdé. Ils sont conseillers au ministère du Développement des Transports de la Turquie. Je vous remercie de votre soutien et d'avoir choisi Istanbul pour la prochaine réunion de l'IGF. Et j'invite M. Hüsnü Dourdu, qui vous donnera des informations supplémentaires sur le 9e IGF 2014. Merci à vous tous et au pays hôte, l'Indonésie, de son hospitalité. Thank you. Merci, docteur. Et oui, je m'appelle Hüsnü Dourdu. Je suis conseiller auprès du ministère des Transports et des Communications de la Turquie. Nous déclarons officiellement que nous, au ministère des Transports et des Communications de la Turquie,
sommes candidats pour le 9e IGF 2014. Et nous portons candidat donc à l'organisation de cet événement dans la magnifique ville historique d'Istanbul, en Turquie. Donc, nous sommes convaincus de la nécessité d'un processus multipartite pour la gouvernance Internet. Nous pensons que l'IGF est la plateforme adéquate pour aborder tous les détails de ces questions liées à la gouvernance. Les défis qui se posent à nous, décideurs politiques, peuvent être abordés par cette plateforme dans les meilleures conditions qui soient. Nous avons des discussions détaillées et celles-ci nous permettent d'orienter nos politiques. Nous accordons une grande valeur à l'IGF et nous sommes pleinement engagés envers son existence. Et donc nous contribuons à ce forum, et c'est pour cela que nous souhaitons organiser l'événement de l'IGF l'an prochain. Nous remercions l'UIT, les Nations Unies et les autres parties prenantes, car ils permettent de continuer les progrès de l'IGF. Nous serions également reconnaissants de bénéficier du soutien de l'ICANN. Comme vous le savez, ICANN a choisi Istanbul pour la prochaine, comme étant la prochaine plateforme après Los Angeles, dans le cadre de leur processus d'internationalisation. Nous remercions toute la direction de l'ICANN, le directeur du conseil Steve Crocker, et tous les membres du Conseil. Nous remercions toute la communauté de l'ICANN de son soutien. Nous réaffirmons notre soutien envers l'organisation de l'ICANN et nous ferons de notre mieux pour contribuer au développement de l'Internet dans le monde entier. Il est également véritablement agréable de voir que tant d'organisations ont choisi Istanbul comme leur plateforme régionale. Nous allons maintenant nous montrer une petite vidéo d'Istanbul en Turquie.
we would like to. Nous vous invitons tous en septembre 2014 pour l'événement de l'IGF à Istanbul. Nous sommes sûrs que vous repartirez avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes impatients de vous voir tous à Istanbul. Merci. Mr. Akar, Mr. Dudu. Merci, messieurs, pour les informations que vous venez de nous donner pour la prochaine réunion de l'IGF en 2014. Et donc, nous espérons tous vous voir en Turquie. Avant de prononcer les remarques de clôture, j'invite M. Çengetay, du secrétaire de l'IGF, à vous donner quelques informations. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, deux petites corrections. L'orateur du Mexique voulait dire 2016. L'événement intervient tous les 5 ans et donc la prochaine fois ce sera en 2016. Monsieur Zazanko voulait dire 2014 pour l'année prochaine, donc pour la réunion d'Istanbul. C'est la première fois que nous avons des annonces de ce type. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une certaine confusion. Je voudrais dire quelques petits mots. Cette année a été une année intéressante, plus intéressante que les autres années en ce qui concerne l'IGF. Et donc je remercie à ce titre tout un chacun, mais également certaines personnes en particulier. Tout d'abord, le comité organisateur indonésien. Nous avons véritablement travaillé de façon très positive ensemble et nous avons passé beaucoup de temps à communiquer, à échanger d'informations. Donc je remercie le ministère des Technologies, Informations et Communications. Remerciements spéciaux pour M. Sasongo, le président honoraire de MAG, et M. Moigeno, qui est le représentant de MAG et qui vient d'Indonésie. Merci. C'est également son initiative. Je remercie également l'ABTI. Je remercie le président d'ABTI. Merci. Monsieur Semi. Et des remerciements spéciaux pour donc les personnes qui ont soutenu le processus. On a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de maux de tête, mais nous avons vraiment travaillé de façon très positive. J'ai pu vraiment les contacter à toute heure du jour et de la nuit en Indonésie. À chaque fois, j'avais une réponse. Alors, merci. Je souhaite également remercier Daniel Nchita. Nous sommes entrés en contact toutes les semaines pour organiser cette réunion. Et pour le comité indien, je souhaite remercier Ola. Je ne sais pas si elle est là. Elle s'est chargée de l'organisation en ce qui concerne les dispositions qui sont prises pour les salles. Et donc, elle a été très efficace. Je la remercie. Ensuite, pour les Nations Unies, je souhaite remercier tout spécialement Elia Strong de la division de développement, Slavia Riza, Victoria, qui ne sont pas là, mais elles ont véritablement accompli un travail remarquable. Et elles nous ont assisté lorsque nous avions beaucoup de travail à faire. Également l'équipe de l'IGF, comme vous le savez, il y a simplement une personne à plein temps, mais nous voyons que nous avons travaillé en équipe. Donc vous pouvez vous lever, Laura, qui
m'a assisté. Où se trouve-t-elle? Ah, la voilà, la voilà. Merci Laura. Ryan, évidemment, qui est basé en Europe. Serena, qui s'est portée volontaire pour cette réunion. Vous savez que le secrétariat de l'IGF dépend de bénévoles et donc ils ont toujours fait preuve de beaucoup de détermination et de volonté pour nous venir nous prêter main forte. Alors, pouvez-vous lever Andrew également. Donc, je les remercie. Edmund également. Fazine. Et Daniel, s'il est présent, était le coordinateur depuis le début. Il est tout à l'arrière de la salle. Vous avez 40 ans que vous avez de l'expérience, non? Ah non, 60? Non, non, bon, je plaisante, 30 ans. Et nous avons également un stagiaire qui a pu venir ici. Donc les stagiaires ne sont pas payés, bien évidemment, mais ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Seira? Non, elle n'est pas là. Je suppose qu'elle est en train de travailler en coulisses. Et je remercie également les interprètes, je remercie également toute l'équipe des Nations Unies, les personnes qui se chargent de la diffusion sur le web. Eduardo, est-il présent? Ils viennent de Nairobi. Alors, je suis sûr que vous avez vu que le réseau fonctionnait bien mieux que par le passé. L'Indonésie est un pays connecté, comme vous le savez tous. Et donc, ils se sont chargés de tous les aspects techniques, donc le webcast, etc., vis-à-vis du Bureau des Nations Unies à Nairobi. Nous vous remercions tous. Chris, pour la sécurité, donc il s'est chargé de nous tenir donc à l'abri de tous les différents risques. Je souhaite également remercier le MAG. Je crois que vous avez véritablement compilé un programme très intéressant et je vous remercie donc pour cet effort. Et également le président du MAG, évidemment, Marcus. Et la communauté de l'IGF, pour finir. Cette réunion n'aurait pas pu être organisée sans la communauté de l'IGF et donc ils se sont vraiment rassemblés et je les remercie tous. Merci. Avec dans mes bribes de français. Également, terima kasih. Alors, si je n'ai pas trop écorché la langue. Thank you, Mr. Secretary. Merci, Monsieur du Secrétariat. Tout d'abord, je souhaite m'excuser pour la petite erreur que j'ai faite en ce qui concerne l'année. Alors, il semblerait que l'on ne fasse pas la différence entre 14 et 15. Bon, permettez-moi, pour conclure, de formuler mes brèves conclusions. C'était un véritable plaisir pour moi que de m'exprimer ici au nom du ministère des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Indonésie. Je souhaite également remercier l'IGF de l'Indonésie et le secrétaire de l'IGF pour tout le travail qui a été accompli pour l'organisation de cet événement. Nous avons vu que les choses étaient bien en main et ce depuis notre arrivée à l'aéroport. Je souhaite remercier l'UNES également et toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Je souhaite également remercier tous les orateurs et tous les participants pour leurs contributions précieuses. Vos questions, vos commentaires permettront d'influencer et d'inspirer les autres. Et ceci pourra façonner l'avenir de la gouvernance d'Internet. Et cela a été très positif de voir que toutes les parties prenantes ont contribué. Nous voyons que la gouvernance d'Internet est une responsabilité multipartite.
Il faut donc inclure la société civile, le monde des affaires et toutes les parties prenantes. Nous devrions être en mesure de maximiser les activités positives et de minimiser les effets néfastes. Avec une compréhension et un respect mutuel, je suis sûr que nous pourrons réaliser des progrès à l'avenir. Mesdames et Messieurs les délégués, l'éthique est une valeur importante pour la société. Aucune société ne peut vivre sans ce principe d'éthique. L'Indonésie souhaite que la communauté internationale puisse collaborer pour renforcer le cyberespace. Depuis les dernières années, l'Indonésie a accueilli plusieurs forums internationaux. Et nous avons également participé à différents forums au niveau international, notamment le Conseil de l'UIT à Genève. Nous avons participé également au Wikit qui s'est tenu à Dubaï en 2012. Nous avons fait part de nos préoccupations concernant la cybersécurité et nous avons coopéré avec les autres pays. Ainsi, l'Indonésie va promouvoir la tenue d'organisation, la tenue de réunions au niveau international de façon à pouvoir discuter du programme du SMSI. Une réunion va donc être tenue à cet effet en Égypte en 2014. Nous allons donc aborder toute une série de thèmes, notamment le e-commerce, e-business, etc. Et nous allons également avoir une réunion au Brésil en 2014 avec toutes les parties prenantes et bien évidemment la prochaine réunion de l'IGF en 2014 également. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt repartir dans nos pays respectifs et j'espère que vous aurez profité des ateliers qui ont été organisés ici et que ceci vous inspirera pour travailler dans un esprit de coopération à l'avenir. Et j'espère que vos souvenirs de Bali ne vous quitteront pas une fois que vous repartirez d'ici. Et je remercie donc toute l'organisation de cette réunion et je redonne la parole à l'UNDSA. As usual, we do in the IGF meeting, I would like to close. Je souhaite maintenant clore la réunion avec un coup de maillet. Donc on l'a ouverte avec un gong, on l'a fermée avec un maillet. Voilà.